Bienvenue sur la chaîne Savoir Investir. Pensez à vous abonner et à activer la cloche de notification pour recevoir nos nouvelles vidéos. L'importance du dollar dans le trading. La monnaie la plus importante du Forex, et de loin, est le dollar américain. L'économie américaine est aussi de loin la plus grosse du monde. Les prix de toutes les marchandises sont fixés en dollars, celles-ci s'échangent en dollars, et l'USD est la devise de base ou la devise de contrepartie dans les 5 paires de devises majeures, Euro-USD, GBP-USD, USD-JPY, USD-CHF, USD-CAD. Le dollar doit en partie son rôle dominant à l'échelle mondiale aux accords de Bretton Woods, signés en 1944. Où il fut décidé que l'étalon or serait remis en place pour le dollar américain et que toutes les autres devises seraient désormais liées au dollar US. C'est ainsi que le dollar est devenu la monnaie de réserve mondiale, et que tous les autres pays ont constitué des réserves d'or et de dollars considérables. Le dollar est donc devenu de facto la base du système monétaire international. Aujourd'hui, il joue encore ce rôle convoité, même si les mesures qui étaient au cours de Bretton Woods. Le rétablissement de l'étalon or pour le dollar et le rattachement des autres monnaies au dollar, qui ont permis de stabiliser le système monétaire international, ont été abandonnés dans les années 70. Quand les États-Unis ont délaissé l'étalon or à cause des coûts élevés de la guerre du Vietnam. Comme le dollar est la monnaie de réserve mondiale, les pays conservent de grandes quantités de dollars sous forme de bons du Trésor américain. Le plus gros créditeur des États-Unis est la Chine, qui, en 2011, possédait plus de 1100 milliards de dollars en bons du Trésor américain. Même si la dette américaine a beaucoup augmenté au cours des 10 premières années du 21e siècle, les taux d'emprunt des États-Unis restent relativement bas. Parce que les bons du Trésor américain sont recherchés et que l'on considère que le risque de défaut de paiement est très faible. Aux États-Unis, la politique monétaire est décidée et appliquée par la Réserve fédérale. La mission principale de la Fed est de stimuler la croissance économique et de préserver la stabilité des prix. Même si la Réserve fédérale est une institution indépendante, la nomination de son président est une affaire politique. Le président des États-Unis nomme un candidat, qui doit ensuite être approuvé par le Congrès. La Fed dispose d'un autre outil lui permettant d'influencer le cours du dollar, elle peut changer les taux d'intérêt qu'elle facture aux banques qui lui ont emprunté de l'argent. Elle a ainsi abaissé son taux d'escompte jusqu'à près de 0% pendant la crise financière de 2008. Par contraste, le taux d'intérêt de la Banque centrale européenne, BCE, n'a baissé que jusqu'à 1% pendant la même période.